Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de la vidéo de ce que j'ai envoyé à Christelle de la chaîne Ebrel Scrap. Voilà, j'ai travaillé la collection Sugar Cookie pour lui faire son envoi de Noël, mais en retard. Donc Christelle savait, hein, il n'y avait pas de souci. Donc juste avant, vous avez vu le tuto du Happy Mail et de la carte et de la Memory Dex. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer, vous expliquer un petit peu ce que je lui ai envoyé. Parce que c'est quelqu'un qui me tient particulièrement à cœur et que je voulais lui faire plaisir. Voilà. Donc avec Poussinette, nous avons refait cette boule à neige. Voilà. Toujours avec la collection Sugar Cookie, les fleurs. Et dedans... rempli de chocolat, de bonbons. Alors ça, Christelle, ce sont des bergamotes. C'est les bonbons de ma région. Voilà, donc tu en as quelques-uns en plus. Je pense à tes fesses. Voilà. Juste après Noël, comme ça, c'est juste bien. Alors là, Poussinette s'est un peu lâchée sur les paillettes dedans. Mais donc là, c'est vraiment Poussinette qui a fait cette boule à neige exprès pour toi. Voilà. Donc avec les fleurs, tout. Donc là, hop, il n'y a plus qu'à bien emballer dans du papier bulle. Après, ça sert de déco, ça sert à plein de choses. Enfin, à plein de choses. Après, tu peux t'en servir comme déco. Après, je ne sais pas quelle couleur tu fais à Noël. Bon, bah là, ça sera rose. Hein. Donc, comme vous l'avez vu dans la vidéo, la petite Memory Dex. Ah, alors, j'adore. Elle me plaît, mais de ouf. La petite carte. Voilà. Et donc, vous aviez vu le Happy Mail que j'avais fait. Donc, dans le premier tiroir, il y a... Alors là, c'est un petit peu un tiroir fourre-tout. Donc, j'ai mis des fleurs Prima, j'ai mis des découpes en bois Merry Christmas, toujours utile. Des petits boutons de Noël... Des flocons en bois, des rennes, des petits pains d'épices. Et j'y ai mis aussi des stickers. Christelle aime les animaux tout mignons. Et je sais qu'elle avait dit, oh, j'ai pas trop de Noël et tout ça. Donc là, en fait, c'est des stickers avec des renards et tout, de la marque Artemio. Vous verrez après, je vous montre, car c'est pas fini. Voilà pour le premier tiroir. Pour le second tiroir. Ah, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc là, en fait, ce sont les stickers de chez Artemio. Donc voilà, des animaux trop mignons. Voilà. Et là, en fait, dedans, ça ne rentrait pas. Mais c'est tous les die cuts de la même collection. Donc vous voyez... voilà. Même ça, on peut s'en resservir. Pas forcément pour Noël, hein, mais... Bon, il y a des flocons de neige, il y a des étoiles. Encore un petit écureuil. Voilà, un petit renard, un oiseau. Enfin, voilà, donc là, elle aura de quoi faire si elle veut faire des cartes, des albums. Enfin, je sais pas, hein, elle fait ce qu'elle veut après. Hein. voilà, donc c'est rempli de tout ça. Et ensuite, je lui ai fait des moulages. Alors là, il faut que ça ira dans le dernier tiroir. Mais il faut que je les emballe un par un dans du papier bulle. Car, comment dire... Ben voilà, j'ai plus mes mots. Comment dire... je n'ai pas de résine. Donc, j'ai fait tout avec la pâte durcissante de chez Action. Voilà. Donc, là, il y a le Père Noël. Donc, c'est les moules de chez Prima. Le bonhomme de neige. Les patins à glace. Le flocon de neige. Alors au départ, Léane, elle m'a dit, bah, pourquoi il y a un coquillage sur ton moulage de Noël? Je lui ai dit, mais Léane, c'est pas un coquillage. Puis après, elle m'a mis le doute quand même. Vous savez, à force d'insister, voilà. Et quand je démoule, je dis, mais regarde, Nunu, j'ai la boule de Noël, comme je t'avais dit. Elle me dit, ah oui, effectivement. Je vous jure. Donc là, un chapeau de Noël. Donc là, en fait, tu vas pouvoir les peindre et après les rajouter soit sur des couvertures d'albums, soit sur des créations. Hein. Une poinsettia. Alors là, comment vous dire que j'ai fait râler ma fille? Un casse-noisette. Un
petit Bambi et un Père Noël. Voilà. Et en plus, voilà, je lui rajoute ce ruban de flocons de neige. Moi, j'adore en mettre sur les tranches d'album et tout ça. Donc voilà, Christelle, j'espère du fond du cœur que ce petit colis te plaira, que bah, tu seras contente de nos créations. Hein. On a mis un petit peu de temps, mais ça y est, on est bon. Donc voilà, donc je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite encore une excellente année. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.